C'est alors qu'arriva le grand événement. Mathis réfléchissait, regardant au loin les deux cimes des trembles, Mathis et Hege, comme disent les gens. Il s'évadait, les yeux écarquillés, laissant le crépuscule s'apesantir. À supposer que l'on pût appeler ça un crépuscule et non quelque chose d'ineffablement doux. C'est à ce moment-là qu'arriva l'inattendu. C'était quelque chose qui passait parmi les cimes, pas devant, seulement quelque chose qui passait. Puis il y eut un petit bruit, un cri soudain, étrange. Et en même temps, il perçut quelques brefs coups d'ailes rapides, là-haut, en l'air, puis quelques appels étouffés dans un langage d'oiseau désemparé.